Et on va rester en direct sur Facebook Live avec le numéro 47, jaune et noir, présenté par Laura de Père, c'est-à-dire monsieur et madame Eric Papon à Père. C'est un produit, c'est une fille de Frisson du Pécrou, c'est tardivement, hein, le 1er juin, et Katharina, la mère par Sandwicky, par le sprinter Sandwicky, qui est à bon étalon dans le registre des 2 ans, mais on trouve ici une très belle origine d'obstacle. Pas tant à travers Olivero, qui lui a été un très bon cheval de plat, troisième du critérium de Saint-Cloud, ainsi que Prinoy, mais plutôt des chevaux qui ont été exploités par Patrice Quinton, dont Natchez, Farley et Condor de Kerser. Et oui, c'est la fille de Polypondère, Noble Quest, Divine Danse. Ah, la comtesse Batiani, ah, l'écurie Alanda, lesquelles. C'est une autre époque, effectivement, mais une époque qui se poursuit. On est parti de Longchamp pour arriver à Auteuil avec Natchez de Kerser, et pour ici poursuivre l'histoire sur la piste des Anglo-Arabes de la Teste. Ici, avec cette fille de Frisson du Pécos qui s'appelle Jaune et Noir, présentée par le Hara de Père. Et donc Eric Ouillot qui nous parlait tout à l'heure de ces nouveaux critères pour faire entrer l'anglo-arabe de plein pied, ou plutôt de plein sabot, dans le marché international. Tandis qu'ici nous voyons que la pouliche est suivie par 2 caméras en parallèle. Voilà un personnel très féminin à franchir, hein, ça c'est... Et pour la course actuellement, et c'est Aline Auberger qui est en tête, mais attention, Aline Auberger qui est capable, avec sa puissance, de mettre un kick final pour rattraper la marathonienne Aline Auberger dans la dernière ligne droite. Le 47, donc,